Gilles n'en a jamais douté. 1943, les légions hitlériennes qui se gelaient devant Stalingrad brûlent maintenant devant El Alamein. Malgré la présence du consul allemand qui vient tous les soirs dans son cabaret voir s'il pourrait faire censurer le spectacle, Gilles se dit « Tant pis, je fonce ». Il y avait une fois dans l'univers un peuple avec des hommes de fer qui avaient besoin d'espace et d'air et de victoire. C'était le caporal du Schnock avec le général Bobok qui commandait les troupes de choc d'équipe notoire. Mais eux, plus forts que Bonaparte, bouffaient les empires comme des tartes, les tombaient comme des châteaux de cartes. Fallait voir! En 5-7 foutait tout en l'air, c'était un ouragan de fer, il nommait ça ses militaires, la guerre est claire. Et dans vos battants, à table en plan-plan, les beaux régiments marchaient en avant. Les portes battants, les portes écussants, les portes tremblants, les portes canons, les minus du culte, les forces occultes, les jeteurs d'insultes, ceux des catapultes, les gueules à ressort, les gardes du corps, les trompes la mort, et les rois du sport, les gars du milieu, calés deux par deux, les semeurs d'effroi, calés trois par trois, les machines à battre, calés quatre par quatre, ceux des mitraillettes, calés sept par sept, les types à barbouze, calés douze par douze, les mines de verre, calés par derrière, et puis par-dessus, crachant les obus, les tourelles volantes, calés trente par trente. Ah, la belle promenade, on est content, content comme tout. Et vive la grenade qui fout le feu partout. Ah, la belle promenade, on est content, content comme tout. Et vive la grenade qui fout le feu partout. Soudain, Blaxa se met à grincer. Y avait plus moyen d'avancer. Y avait quelque chose de coincé dans l'engrenage. En avant, gueulait le patron, le soleil me tape sur le citron. C'est une honte, c'est un affront, bande de sauvages. Voilà l'ennemi qui rapplique, et ça se passait en Afrique, dans un coin plutôt désertique. C'est bien dommage. Comme il n'y avait que la marche arrière qui fonctionnait dans cette affaire, on a dû renvoyer, c'est clair, la guerre est claire. Alors le grand chef a dit c'est bézef. Et des ondes bref à tous les sous-chefs. L'a pas pétouillé, l'a pas cafouillé, l'a pas bafouillé, l'a pas merdouillé. À mon commandement, l'escadron volant, mi-tour en avant, retraite en deux temps. Les roulettes à feu, en route au milieu. Les talbardiers avec les mortiers. Les bouches à tonnerre, en vrai, en derrière. Et le général piquait son cheval en tirant des plans très époustouflants. Il y avait dans sa tête tout l'art des retraites et des trucs savants pour les décrochements. C'était sa technique, défense élastique. Et ses troupes d'élite filaient tellement vite que l'ennemi fourbu les rattrapait plus. Ah, la belle aventure, les gars, pensez content comme tout. Si on garde cette allure, c'est fait qu'on sera bientôt chez nous. Ah, la belle aventure, les gars, pensez content comme tout. Si on garde cette allure, c'est fait qu'on sera bientôt chez nous. Les journaux, dans leurs commentaires, disaient qu'au point de vue militaire, cette nouvelle façon de faire la guerre, c'était splendide. Mais les troupes ayant regretté, vu ce demi-tour précipité, de n'avoir pas pu visiter les pyramides, on leur fit savoir en haut lieu qu'en fait de monument il y avait lieu, qu'ils en avaient eu sous les yeux de moins sordides. Le père Lachaise, la tour Eiffel, le joli dôme à Dufayel, et surtout très sensationnel, c'est Six Sorel. En somme, les arbis, c'est comme les rouskis. C'est peut-être amusant, mais pas pour longtemps. Les portes-fusils disaient, ça suffit. Les portes tremblants, on avait plein de troncs. Les portes-flambeaux, on avait plein de dos. Et les portes-obus, eux, c'était plein. Oh, si vivement, d'arrière en avant, ils battaient en retraite d'une façon parfaite. Si bien qu'un beau jour, les voilà de retour, retrouvaient des ruines plus belles qu'à Messine. Leur maison détruite et leur femme en fuite. Et puis ça c'est dur, des piles de factures. Payer pour le transport, payer pour les morts et payer hélas, surtout pour la casse. Comme moralité, si ton père Ubu, il faut pas péter plus haut que son nez. Ah, la jolie dégoûte au fond des enfers Attila. Disais-moi ce qui me dégoûte, c'est les travers, ces salauds-là. Les gars, comme dans un rêve, disaient à ce qu'on est bien chez soi. Plus de guerre et plus de relève, du moins jusqu'à la prochaine fois. Ça fait plus de 30 ans
que Gilles est mort, mais dans le cœur des Vaudois, on dirait qu'il est toujours présent. Ben disons, il a mis du temps à être présent dans le cœur des Vaudois. Hein. Il a commencé à Paris. Sa vraie carrière, son métier, l'apprentissage du métier, il l'a fait à Paris. Il est rentré en Suisse au moment de la guerre, parce qu'il a été mobilisé. Et puis il est retourné à Paris par après. Mais il lui a fallu cette période parisienne, un peu la reconnaissance des autres, pour être reconnu par les Suisses, par les Vaudois. C'est un peu toujours la même chose. Hein? C'est un petit peu toujours la même chose. On dit bêtement, nul n'est prophète en son pays, mais je pense que ça fait aussi du bien d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Et puis, il a appris le métier avec un des tout grands, avec Jacques Copeau, où il a dû apprendre à être machiniste, éclairagiste, à apprendre à danser, à chanter, à faire du théâtre. Il a appris à tout faire. Il se destinait pas particulièrement d'emblée à la chanson. C'est venu après, un peu. On a un bien joli canton. Des veaux, des vaches, des moutons, du chamois, du brochet, du cygne. Des lacs, des vergers, des forêts, même un glacier, au diablerais. Du tabac, du blé, de la vigne. Mais jaloux, un bon genevois m'a dit d'un petit air narquois, permettez qu'on vous interroge. Où sont vos fleuves, franchement? Il oubliait tout simplement la Venoge. Un fleuve, en tout cas c'est de l'eau qui coule à un joli niveau, bien sûr, c'est pas le fleuve jaune, mais c'est à nous. C'est tout vaudois, tandis que ces bons genevois n'ont qu'un tout petit bout du Rhône. C'est comme il est à nous le Rhin, ce chant d'un peuple souverain, c'est tout faux. Le Rhin déloge, il file en France, aux Pays-Bas, tandis qu'elle, elle reste là, la Venoge. Faut un rude effort entre nous pour la suivre de bout en bout, tout de suite on se décourage. Car au lieu de prendre au plus court, elle fait de puissants détours loin des pintes, loin des villages. Elle se plaît à traînasser, à se gonfler, à s'élancer, capricieuse comme une horloge. Elle offre même à ses badauds des visions de Colorado, la Venoge, en plus modeste évidemment. Elle offre aussi des coins charmants, des replats pour le pique-nique. Et puis la voilà tout à coup qui se met à faire des remous comme une folle entre deux criques, rapport aux truites qu'un pêcheur guette attentif dans la chaleur d'un œil noir comme un œil de doge. Elle court avec des frissons, ça la chatouille, ses poissons, la Venoge. Elle est née au pied du Jura, mais en passant par la Sarra, elle a su, battant la campagne, qu'un rien de plus craignant de sort, elle était sur le versant nord, grand départ pour les Allemagnes, elle a compris. Elle a eu peur quand elle a vu l'orbe, sa sœur, elle était aux premières loges, filée tout droit par Yverdon vers Holton. Elle a dit, pardon, la Venoge, le nord, c'est un peu froid pour moi. J'aime mieux mon soleil vaudois et puis entre nous, je fréquente. La voilà qui prend son élan, en se tortillant joliment, il n'y a qu'à suivre la pente. Mais la route est longue, elle a chaud. Quand elle arrive, elle est en eau, face au pays des Allobroges, pour se fondre amoureusement entre les bras du bleu léman, la Venoge. Pour conclure, il est évident qu'elle est vaudoise 100%. Tranquille, pas bien décidée, le tient le juste milieu, le dit qui ne peut, ne peut, mais le fait à son idée. Et certains mettant dans leur vin de l'eau, elle regrette bien, et ça c'est tout à son éloge, que ce bon vieux canton de Vaud n'ait pas mis du vin dans son nom, la Venoge. Vous avez vous-même, je crois, devenu une âme de poète. Qu'est-ce qui vous inspire, la Venoge, pour prendre une des chansons de Gilles? La Venoge, elle a une jolie histoire, je vais vite vous la raconter en deux mots. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la Venoge, Gilles l'a créée à Paris, pas en Suisse. Et puis quand il l'a créé dans son cabaret de l'Étoile à Paris, il y avait Brel qui était là, mais il était en coulisses, il attendait son tour pour passer. Et il bouffait les rideaux carrément, quoi. Il disait, mais il va se planter, il va se ramasser une vaudoiserie comme ça en plein Paris, c'est pas possible, ça va être un four. Et ça a été un tabac. Et puis c'est là que Brel s'est dit, tiens, quand on parle de choses vraies, de choses communes à tous, du pays, sans faire du patriotisme, mais simplement de choses qui sont compréhensibles par tout le monde, ça marche. Et c'est là que Brel a décidé d'écrire le plat pays. Alors pour en revenir à votre question, la Venoge, ça me parle.
parce que c'est du langage universel. Ça fait partie de l'histoire de tout le monde, les choses que tout le monde a vues une fois ou l'autre. Et puis là, Gilles les a traduites en mettant ça sur la venoge, mais c'est comme une chanson d'amour. Quand un poète chante une chanson ou dédie un poème à une de ses dulcinées, chacun se reconnaît là-dedans comme poète ou une femme dans la dulcinée à qui ça a été adressé. Village au fond de la vallée, comme égaré, qu'est-ce qu'ignoré ? Voici, quand la nuit étoilée, un nouveau-né nous est donné. Jean-François Nico, il se nomme, il est joufflu, tendre et rosé. À l'église, beau petit homme, demain tu seras baptisé. Une cloche sonne, sonne, sa voix d'écho en écho. Dites au monde qui s'étonne, c'est pour Jean-François Nico, c'est pour accueillir une âme, une fleur qui s'ouvre au jour. À peine une flamme, encore faible qui réclame protection, tendresse, amour. Village au fond de la vallée, loin des chemins, loin des humains, voici qu'après 19 années, cœur en émoi, le Jean-François prend pour femme la douce Élise, blanche comme fleur de pommier. Devant Dieu, dans la vieille église, ce jour, ils se sont mariés. Toutes les cloches sonnent, sonnent, pleure-moi les échos en écho. Merveilleusement courant, un seul corps, une seule âme, qui le prêtre est pour toujours. Soyez une pure flamme qui s'élève, qui proclame la grandeur de votre amour. Village au fond de la vallée, des jours, des nuits, dans un fuit, voici dans la nuit étoilée, un cœur s'endort, François et moi, car toute chair est comme l'herbe, et comme la fleur des champs, épis, fruits mûrs, bouquets et gerbes, hélas, tout va se desséchant. Une cloche sonne, sonne, et le chante dans le vent, obsédant et monotone, et le redit au vivant. Ne tremblez pas, cœur fidèle, l'éternité de l'amour. Et sur les trois cloches, alors, qu'on a eu un succès incroyable. Les trois cloches, c'est un cours plus particulier. Pendant la mobilisation, il a été réformé parce qu'il avait une constitution trop fragile et il est engagé à la radio avec la mission d'écrire une chanson par semaine. C'est énorme. Et les trois cloches, c'est né de ça. C'est une chanson qui a été... On ne peut pas dire que ça a été écrit en une semaine, parce qu'il y a toujours une période de maturation, mais en une semaine, il a fini de l'écrire et il l'a interprétée à la radio. C'est une chanson qui a fait le tour du monde. C'était la chanson, je crois, la plus traduite au monde.
et qui a fait un tabac vraiment partout, dans toutes les langues. Ça aussi, c'est de l'histoire universelle. La naissance, le mariage, la mort. Qui c'est qui n'a pas connu ça une fois ou l'autre? De l'autre côté de l'Atlantique, dans la fabuleuse Amérique, brillait d'un éclat fantastique. Voilà! Il faisait rêver les gueux en loc, les marchands de soupe et les loufoques, dont le cerveau bat par voilà. Voilà! Et par milliers, la vieille Europe, qui tend sa ferme son échoppe, où les bacards qui est interlope, on part! Ayant vendu jusqu'à sa chemise, on met le cap sur la terre promise pour voir le Dieu dans son église, le Dieu de l'âme. Et déjà sur un navire, dans le ciel blafard, ce soleil immobile, c'est un gros dollar. Il éclaire le monde de son feu criard. Ne perds pas le nord, vous pensez, juste le temps de s'élancer, de s'installer, d'ensemencer, ça part. On joue, on gagne, on perd, on triche, pétrole, chaussettes, terrains en friche, tout s'achète, tout se vend, bien riche, dollar. On met les vieux, nous en conserve, mais même afin que rien ne se ferme, on fait de l'alcool avec dollar. Jusqu'au bon Dieu qu'on mobilise et qu'on débite dans chaque église, aux enchères comme une marchandise à coups de dollar. Et sur la ville ardente, dans le ciel blafard, cette figure démente, c'est le dieu de l'art. Pas besoin de réclame, pas besoin d'effort, il gagne toutes les âmes, parce qu'il est en or. Auto, phono, radio, machine, truc chimique pour faire la cuisine. Chaque maison est une usine, standard. Allons dans une forte de série, on va vendre son épicerie. Et le soir on retrouve sa chérie, standard. Alors on fait tourner les disques, on s'abrutit sans danger puisqu'on est assuré contre touriste. Mais là, la vie qui tourne comme une roue vous éclabousse et vous secoue. Il aime vous rouler dans la boue, le dieu de l'âme. Quand la nuit sur la ville pose son manteau noir, dans le ciel immobile veille le dieu de l'art. Il hante tous les rêves des foules ici-bas, et quand le jour se lève, il est encore là. On devient marteau dans leur folie, les hommes n'ont plus qu'une seule envie, un suprême désir dans la vie, de l'homme. S'ils s'écoutaient par tout le monde, on en s'aimerait à la ronde, au fond de la terre profonde, encore. On en mourirait sans relâche, les chèvres, les brebis, même les vaches, afin qu'au lieu de lait, elles crachent. De l'homme, de l'or partout, de l'or liquide, de l'or en gaz, de l'or solide, plein les cerveaux et plein les bides, encore, encore. Un ciel de cendres, vous verrez un soir le dieu de l'art descendre du haut de son perchoir, et devant ses machines, sans comprendre encore, l'homme crevé de famine sous des montagnes d'or. À part ça, vous savez, vous me parlez de la Venoge, vous me parlez des Trois Cloches, c'est parmi les plus connus, comme ça, dans le, dire pour le commun des gens. Pour le, mais si vous prenez une chanson comme Dollar, c'est une chanson qui a eu 80 ans l'année passée. Il y a 80 ans que Gilles l'a écrite. Vous pouvez l'écouter aujourd'hui, ça n'a pas pris une ride. Et puis d'autres chansons, je vais en interpréter une ou deux qu'il a écrites sur la mobilisation, sur la guerre. Hier, les Allemands et les Français faisaient une visite à Oradour-sur-Glane. Aujourd'hui, au G20, Obama et Poutine vont probablement se bouffer le nez à propos de la Syrie. Rien n'a changé. C'est comme l'histoire de la Dulcinée ou du Poète, ou de la Venoge ou de la Broye ou de n'importe quel fleuve vous voudrez prendre. Ça reste là et là, ça reste du langage universel. On dirait bêtement que les gens, que les hommes n'ont rien appris. Les Suisses sont mobilisés
Après coup, on peut rire, on peut bien dire que les Suisses ne risquaient rien. Après coup, c'est facile, hein, après 45, de dire ça. Sur le moment, il l'a chié mince. Là, qu'est-ce qui va arriver avec la Syrie? Personne n'en sait rien. Au bout du compte, il y a toujours des gens qui souffrent, il y a des gamins, il y a des femmes qui n'ont rien demandé. La liberté, ça se mérite, et puis à défaut de l'obtenir, des fois un petit peu d'esprit peut y suppléer. C'est ainsi que notre bon Jean-Louis est allé un jour, comme tous les bons vaudois qui se respectent, au comptoir. Comme tout bon vaudois qui se respecte, il s'est un petit peu attardé dans les caves, dans les stands de dégustation. Ça fait qu'il arrive sur le quai de la gare à Lausanne, juste assez tôt pour voir partir le dernier train. Oh, pas d'erreur, va falloir que je téléphone à la bourgeoise, pas qu'elle s'inquiète. Allô, c'est moi! Où es-tu? Ben, je suis à Lausanne. Tu traînes encore dans les bistrots? Dis, mais, tu me laisses pas placer un mot. Laisse-moi m'expliquer. Écoute, j'étais à la gare, à l'heure, quasiment. Enfin, tu me connais, presque. Mais tu vois, les CFF, avec leur manière de faire des économies partout, leurs trains sont de plus en plus courts. Celui-là, un wagon de plus, je l'avais. Le Frauenverein, notre devise est toujours Ein. Nous avons voulu une bonne fois faire marcher droit les Zurichois. Ils étaient forts aux temps anciens pour taper sur les Autrichiens. Et puis, comment à tour de bras, Sempach, Neifels, etc. Avec ce Schwitz, avec ce Bern, à coup de piquet de Morgenstern. Mais maintenant, c'est les temps modernes. Fertig avec les Morgenstern. Ils doivent travailler sérieusement et rentrer le soir à l'appartement. Si le papa a bien lutté pour conquérir la liberté, l'a obtenu ce qu'il a voulu, alors maintenant n'en parlons plus. Car nous sommes toutes là pour dire Nein, la devise des Frauenverein. Nos hommes doivent se mettre dans la tête qu'il faut avoir la Gründlichkeit. Se lever tôt pour travailler, le soir les plaisirs du foyer. De l'Apfelmorscht et des Knöpfeli, un Stumpepi, allez, au lit. Voyant qu'il voulait résister, c'est ça l'esprit de liberté. On a forcé le gouvernement à fermer les établissements. Krino, Wirtschaft und Brauerei, à 11h tapant, Polizei, Schluss. Alors ils rentrent à la maison, ils filent tout doux, ils ont raison, car rien à l'homme ne fait plus peur qu'un Frauenverein en pire. Du Herrgott, wo holst du mich auch jetzt? Et c'est fertig mit Bier und Wein, grâce aux soins du Frauenverein. Fertigant avec ces sales femmes qui se promènent sur le macadam, les ongles peints, l'œil au rimmel, en promettant le septième ciel. L'amour bayouns comme il se doit, se fait grundlich une fois par mois. C'est trop pour la moralité, mais nécessaire pour la santé. Cette chose, l'amour, on doit le déclarer, c'est une reine et schweinereine. Mais il faut faire la part du feu. On l'a fait, mais on l'a fait peu. Comme ça, nos maris au bureau sont enfants pour les bordereaux, car ils doivent gagner de l'argent pour embellir l'appartement. Ainsi, ils sont fly second rein, grâce aux soins du Frauenverein. Mais en Suisse, malheureusement, il existe des cantons romans où règne, on doit le constater, une regrettable liberté. C'est pas comme chez nos Zurichois, ach nein. Là-bas, c'est les hommes qui font la loi, ach ja.
Alors vous voyez ce que ça donne. Le Vuille, c'est pire que Babylone. Et à Lausanne, comme à Paris, il y a des bars ouverts la nuit, où l'on se saoule avec l'alcool, et là-bas toutes les femmes sont folles. Fricht ! Ces Belges ne connaissent pas vraiment le sérieux dans l'amusement. Et leurs femmes qui font de la toilette, elles ont vraiment rien dans la tête. Car chez ces poupées, est-ce qu'ils craignent ? Et aujourd'hui, en vérité, les dames de la bonne société imposeront à la race humaine le programme des Frauenverein. Fermeture des lieux de plaisir, organisation des loisirs, on fait à fond le vendredi, le lundi et le mercredi. Le mariage obligatoire, le café au lait sans passoire. Plus de phare et plus de froufrou, et pour les dessous, du pilou, c'est tout. L'homme travaille 10 heures sur 12, porte toute sa paye à son épouse. À 9 heures, tout le monde est couché, et comme ça, ça pourra marcher. Quand partout comme un sonnenschein régneront les Frauenverein. Schluss! Jean-Louis, le cousin de la campagne, est invité une fois à Lausanne, dans la grande ville, chez son cousin, qui lui a réussi les notaires. Alors il se moque bien sûr pas de faire défiler devant lui le valet de chambre, la bonne, le jardinier, le chauffeur pour montrer que lui a réussi. Ils vont prendre l'apéritif dans le petit jardin où il y a des chaînes séculaires, des bouleaux qui jouent aux trois coins, enfin, tout ça est merveilleux. Le notaire sort un Beaujolais qui a eu été nouveau, mais il y a fort longtemps. Jean-Louis déguste ça avec une pensée un peu nostalgique pour ses propres crus qui sommeillent dans ses barriques. Puis pour faire bonne figure, parce quand même il a reçu de l'éducation. Bonus, Vinus. Le notaire lui dit, alors Jean-Louis, vous êtes peut-être passé maître dans l'art de cultiver la vigne, mais pour ce qui est du latin, laissez ça à ceux qui sont allés à l'université. Jean-Louis lui dit, qu'est-ce que vous voulez, cousin? Petit vin et petit latin. Une espèce qui disparaît très rapidement. Même les Bretons, même les Bégresses. Forcément, chère Madame Durand, ces filles, on les a toutes pourries. C'est elles maintenant qui font la loi. Pensez, la nôtre était nourrie et logée, plus l'argent du mois. Aussi, il ne faut pas qu'on s'étonne. On a tout fait pour les gâter. On était trop bons pour les bonnes. Vraiment, c'est à vous dégoûter. Moi qui suis faite pour être patronne et déployer l'autorité, eh bien quand je sors, il n'y vient personne, car il n'y a plus de bonne. Quelle société! Pensez, chez moi, j'en ai eu 16. Je leur faisais un petit nid coquet, un lit, une table, une lampe, deux chaises. Ça donnait sur les cabinets. Évidemment, ça manquait de vue. On n'y voyait jamais le soleil, mais la nuit, c'est chose superflue, surtout avec un bon sommeil. Et quand le réveil carillonne, au point du jour joyeusement, sachant que le soleil rayonne devant dans tout l'appartement, on se lève et l'on se savonne, avec plus de zèle évidemment. Le soleil, lui, le gaz ronronne, ben y a plus de bonne, sombre moment. Leur travail, ha!
Laissez-moi rire, vider les pots, ranger les lits, faire la vaisselle, frotter, cuire, passer les cuivres au tripoli. Trois fois par jour, servir à table, faire chaque matin une pièce à fond. Les courses, un travail agréable, repasser le linge de maison. Trois fois rire, avec sa gloutonne, même qu'on se privait souvent, ma foi, pour qu'il reste du gigot bretonne ou la carcasse d'un poulet froid. Avec tout ça, j'étais trop bonne. Un jour de liberté par mois, pour s'en aller faire les murottes, ben y'a plus de bonne. Pourquoi ? On les menait en promenade, le dimanche on en prenait soin, allant, si elles tombaient malades, jusqu'à quérir le médecin. Mais quand la moustache en bataille, nos maris les serraient trop près, alors on surveillait leur taille, ça ratait pas. Quelques mois après, on renvoyait la jeune personne en la tensant sévèrement. C'était le devoir des patronnes. Nos maris ne pouvaient décemment être les pères des enfants de nos bonnes. C'est tout de même un grand soulagement de ne plus voir ces ventres qui ballonnent. Comme il n'y a plus de bonnes, il n'y a plus d'enfants. Ça devait finir dans la débauche, selon la loi du moindre effort. Tout ça, c'est la faute à la gauche, aux soviets, à Blum, mais qu'on sort. J'en ai reçu une cet automne, qui m'a dit d'un air insolent, « Bonne à tout faire, moi je suis pas bonne. » Elle est repartie en ricanant. La morale, je vous l'abandonne. La base du régime bourgeois, son piédestal, c'était la bonne. Sans elle, tout s'écroule à la fois. L'office, le salon, la couronne, l'ordre, l'autorité, la loi. Il n'y a plus de bon Dieu, il n'y a plus personne. Quand il n'y a plus de bonne, il n'y a plus de bourgeois. C'est à ça qu'on reconnaît finalement une grande chanson avec un grand jet, c'est quand elle devient quasiment éternelle, immortelle. Oui, oui, oui. Alors c'est aussi ce qui fait malheureusement pour leur créateur que souvent au moment où ils font ces chansons-là, ils ne sont pas tout de suite reconnus. On a de la peine quand c'est comme si vous prenez un trop gros morceau à table, hein, il faut un moment pour le mâcher et l'avaler. Des chansons d'une ampleur pareille, c'est long jusqu'à ce que ça rentre vraiment dans l'esprit des gens, puis que les gens se rendent compte vraiment de la portée que ça a. Oui, Gilles, comme Brel, comme Brassens, comme De Vos, c'est des gens qui ont traversé les décennies, qui vont traverser les siècles, parce qu'ils étaient en avance sur leur temps. J'ai un bon copain qui vient chez moi, qui a organisé beaucoup de concerts à Payerne, Titi, qui était facteur, qui a connu tous ces artistes. Quand il vient chez moi, il me dit « t'as tout compris ». Je sais pas si j'ai tout compris, mais ces gens-là, ils avaient tout compris. Ça se passe dans un petit village du sud de l'Italie, là où le moindre effort est déjà décoré du mérite agricole. Ce qui fait que la sieste est devenue une institution. Et puis ceci étant peut-être la conséquence de cela, rapprochements intercommunaux sont un peu favorisés. Ce qui fait qu'un jour, un brave paysan va se confesser chez le curé. Et puis, il dit, « Mon père, je m'accuse d'avoir péché. » « Oui, mon fils. » « Je m'accuse d'avoir presque commis l'adultère. » Curé qui en a entendu d'autres, il dit « Ouais, ça n'a pas l'air trop grave, mais enfin... »« Comment ça, mon fils? Presque !»« Oui, mon père, ça fait 30 ans que je suis marié. Au moment d'accomplir mon devoir conjugal, je pense à Monica Bellucci. » Le curé lui dit « Ah, évidemment, ça aide. » Au soleil de l'Italie, si brillant quand il ne pleut pas, Jerica la mina subia a vu passer Pambolina. Dio mio, qu'elle était belle! Jerica sentit dans sa chair jaillir la divine étincelle de la passion. Comme un éclair, il s'élança à la poursuite de la Vierge au large bassin, mais il vit alors la petite se précipiter dans le sein des Spumanti qui l'attendaient, sacrée famille, au grand complet.
l'Attilio, les fratelles, Gino, Bruno, Benito, le padre avec les sorelles, Giuseppe avec sa moto, Pétarade, les bambini Olimpio, et Puccio qui est malade de Gerard à la radio, Angelina qui déroule des rengaines de cinéma, et voitant sur ses ampoules, monstre sacré la maman, et cousin séminariste, méga noir, ahuri, planté comme un couteau triste dans tous les coins du pays. Tout ça afin que nul n'oublie au pays du Gorgonzola, sous l'œil de la Sainte Famille, que la famille est toujours là. Jerrican, citoyen modèle, mais riche de l'Oklahoma, compris que pour avoir sa belle, fallait passer par la maman. Il se montra poli, modeste, un modèle de chasteté. La bagnole grand sport fit le reste. Bref, un jour, il fut invité, chargé de fleurs pour cette fête, il sonna. Enfin, je vais voir, dit-il, ma belle en tête à tête. Mais il trouva dans le couloir des spumanti qui l'attendaient, le verre en main, au grand compte. La mamma tout en dentelle, Gino, Bruno, Benito, le padre avec les sorelles, Giuseppe avec sa moto, l'oncle Attilio, roi des braves, blessé d'un éclat d'obus, à la fesse sur le piano au cours d'un combat confus, le cousin pro-communiste qui rit comme un abruti, quand le bon séminariste va bénir les spaghettis, et pour encadrer la belle aux yeux noirs, aux jolis seins, de redoutables fratelles roulant des yeux assassins. Tout ça afin que nul n'oublie au pays du Gorgonzola, sous l'œil de la Sainte Famille, que la famille est toujours là. Bientôt mûr pour le mariage, notre homme jeune, défortuné, acquis pour son futur ménage le palais d'un marquis ruiné. Les mariés vont à Venise, enfin seul merveilleux bonheur. Y était préparé la surprise, mon chéri, dit la rose en fleurs. Retour au nid, la porte s'ouvre sur le palais illuminé. Et Jerry sidéré découvre dans la cour d'honneur. Devinez, les spumanti qui l'attendaient, c'est la surprise au grand complet. La maman tout en dentelle qui sanglotait les bénis, le padre avec les sorelles, les grands padres et les bambini, le cousin nanoman. La maman tout en dentelle qui sanglotait les bénis, le padre avec les sorelles, les grands padres et les bambini, le cousin séminariste chassant à coups de micelle, le démon pro-communiste chargé de péché mortel, l'oncle Attilio qui s'installe, mur pour la vie de château, le petit dernier qui chiale, Giuseppe avec sa moto, et Bambolina qui crie, quel bonheur en vérité, de redouter sa famille, on ne va plus se quitter. Tout ça afin que nul n'oublie au pays du Gorgonzola, sous l'œil de la Sainte Famille, que la famille est toujours là. Accablé par ce coup funeste, Jerry proteste, et puis, la chair est faible et fait le reste, désormais quelquefois la nuit. L'ange béni de la famille consent à rejoindre très tard l'époux au seuil de la folie et qui s'énerve selon plus mal et qui en redemande encore, jamais satisfait l'animal. Mais la perfide des Laurent le tire du lit conjugal pour prendre le café au lait des spumanti au grand complet. Maman tout en dentelle, Gino, Bruno, Benito, tous les fratelles entre telles, et Giuseppe avec sa moto, dans la cour qui pétarade, les bambini affamés, qui se bourrent de marmelade, tandis qu'on entend bramer le cousin pro-communiste, le son dans le bord de Rio, le cousin séminariste, et par-dessus la radio, dégueulant des chansons tristes, les amours.
Walter, c'était non. Tirez donc sur le pianiste. Pas, pas. Le pianiste est mort. Tout ça afin que nul n'oublie. Sainte famille, que la famille est un peu là. Vous connaissez bien le répertoire de Gilles. Est-ce qu'il y a une autre chanson qui vous tient à cœur? Oh, il y en a beaucoup. L'enseigne de la fille sans cœur, le bonheur. Disons, c'est avec le bonheur, avec la Venoge, que j'ai commencé un peu à approcher Gilles, hein, du temps de mon papa, où on copiait gentiment ses chansons sur les 33 tours, sur les 45 tours qu'on avait. Mais il y en a d'autres qui sont de la même verve. Il y en a une que j'adore, un vrai businessman, où il décrit, il y a aussi 50 ans en arrière, au moins 60 ans, au moins, le stress d'un homme qui ne pense qu'à l'argent. Ça n'a pas pris une ride non plus. Hein. Vous mettez ça aujourd'hui, il n'y a rien à changer. Pas un mot, pas une virgule. Peut-être le nom d'un président ou de l'autre. On parle des Venom, on pourrait parler des Gripen. Mais sinon, c'est la même chose. Ça n'a pas changé. Il y en a une qui est faramineuse, qui s'appelle On est inquiet. Ces braves Vaudois à la fin de la guerre qui tout d'un coup sont inquiets parce qu'il y a la paix qui arrive. Ça fait partie de, un peu d'une... pas dire d'une philosophie vaudoise, mais d'une manière d'être. On est toujours inquiet de quelque chose. Enfin, c'est peint, c'est du Van Gogh. Pour la peinture, c'est du Mozart pour la musique. Ça dépasse Victor Hugo pour le texte. C'est d'une portée vraiment inégalée.